L'ESDES est l'École supérieure du développement économique et social. C'est un positionnement fort qui porte nos valeurs, mais aussi notre mission, former des managers responsables. On est membre de la Conférence des grandes écoles, on est accrédité à l'international, ICSB, EFMD, et on est récemment classé dans le Financial Times. En conclusion, l'ESDES, c'est une école à taille humaine qui joue dans la cour des grands. Le programme Grande École ESDES s'organise en deux temps. Déjà, on est sur 5 ans, c'est une école post-bac. Donc le premier temps, c'est le premier cycle sur 3 ans avec une partie exploration sur le monde, découverte de l'entreprise et consolidation, gestion de projet. On a aussi des diplômes universitaires sur le droit international et environnement et transition. Le deuxième temps, c'est le cycle master avec une quinzaine de spécialisations tournées autour des expertises métiers que les entreprises recherchent. Le programme Grande École de l'ESDES est international et même pour les alternants. On a plusieurs départs en premier cycle, en deuxième année, obligatoire pour tous nos PGE dans nos universités partenaires un semestre en entier, et en deuxième cycle, en quatrième année ou en cinquième année pour les formations initiales ou en double diplôme, et nos alternants, un séminaire, une immersion internationale prévue avec nos universités partenaires qui viennent sur nos campus. Un manager responsable à l'ESDES, c'est un manager qui comprend et qui agit. On accompagne les étudiants finalement à s'engager. On a un cursus de 5 ans pour le faire. C'est important 5 ans puisqu'on peut y aller progressivement. Un exemple, 150 heures de mission en association, en France ou à l'étranger dès la première année. On est sur le terrain, on comprend pour agir. On a une conviction à l'ESDES, c'est que c'est l'engagement qui fera la différence. L'UCLI, c'est l'Université catholique de Lyon. C'est important parce que finalement, un peu comme le modèle anglo-saxon, on est une école de gestion au sein d'une université. Il y a plusieurs disciplines qui se côtoient. On a le droit, la philosophie, l'environnement, l'ingénieur en biotechnologie. Et finalement, on arrive à former des profils pluridisciplinaires qui sont tant recherchés par nos RH.